aura lieu au Royal Golf de Mohammedia, qui est le troisième golf au Maroc, après Tanger et Marrakech. Juste pour vous rappeler qu'on reconduit la deuxième édition, la deuxième année consécutive. Et j'aimerais bien qu'on applaudisse le golf de Mohammedia qui nous accueille. ان شاء الله هذه السنه غتعرف النسخه رقم 11 اللي غتكون في مسالك النادي الملكي بالمحمديه اللي استقبلنا السنه الفارطه كنتظروا ما بين 80 تسمح لي الى 90 لاعب ولاعيبه ان شاء الله اللي غادي يجيو يشاركوا معنا من جميع انحاء المغرب وكذلك من اسبانيا من فرنسا كاينين لاعبين ولاعبين شابات اللي عندهم المستوى عالي جدا اللي جايين باش يغولوفيو تشالنج ان شاء الله كنتمنوا التوفيق للجميع لان لا شامبر دو كوميرس اسبانيول ولفونا باش يكونوا تنظيم جد جيد مثل كل سنه الحمد لله هذه السنه 11 اللي كننظموا فيها الدوري وهذا كيبين بالعلاقه الحميمه اللي بين البلدين وحنا فخورين الحمد لله بان المغرب غادي ينظم هو اسبانيا والبرتغال نسخه ديال المونديال 2030 وكنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله شكرا بارك الله فيك Donc avant tout, la Chambre, qui est le fil conducteur des entreprises espagnoles et marocaines, tient à exprimer donc sa peine et puis présente ses condoléances à toutes les familles sinistrées du Haouz. Donc ce tournoi de tennis s'inscrit quand même dans la résilience, mais dans la joie. Dans la joie et dans l'honneur hein, d'avoir décroché la CAN 25 et puis la candidature du Mondial 2030 où nous allons participer conjointement avec le Portugal, le Maroc et puis aussi donc l'Espagne. Il se déroulera au Royal Golf de Mohammedia comme l'année dernière et puis donc ça permettra donc justement aux hommes d'affaires hein, marocains, espagnols et puis nous avons invité aussi des Portugais bien sûr, à développer donc leurs relations dans un cadre convivial et sportif. Tchajou, ne t'insouche pas d'abonner à la chaîne YouTube et partagez cette vidéo avec vos amis. Et ne t'insouche pas de faire j'aime le site et de partager sur les réseaux sociaux.